En Essonne, j'aime tout, tu t'ennuies jamais, il y a tout le temps des activités. Grâce à nos maisons de quartier et associations ou autres, on a des sorties. Did you hear of my... Par rapport à la cohésion dans les quartiers, pourquoi dans les écoles primaires ou début collège, on ne leur ferait pas des manifestations sportives ou autres pour qu'ils se mélangent tous ensemble et qu'ils apprennent à se connaître et que peut-être plus tard, comme ça, ils pourront se retrouver et au lieu de se faire la guerre, s'apprécier. L'espace vert, il commence à être ratatiné. C'est la végétation qui nous protège de la pollution. Et du coup, si on enlève toute la végétation, après, ce sera fini pour nous. Pour améliorer Corbeil, ce qu'il faut, c'est préserver la nature, éviter de construire d'autres bâtiments. Ce que je trouve beau à Corbeil, c'est vraiment la nature, les fleurs, l'Essonne plutôt. J'habite à côté en plus quand je vais vers le collège. Ça me donne vraiment envie d'aller à l'école, quoi. C'est pas dans toutes les villes quand même qu'il y a ce genre de rencontres. Donc je trouve ça très bien déjà de pouvoir nous donner la parole. Je sais pas si c'est faisable, mais peut-être voir comment nous on peut aussi participer et pas juste attendre que la mairie fasse, mais qu'on soit acteur aussi de notre ville en fait. Ça serait bien parce qu'on dira pas que la mairie a fait toute seule, mais on fait ensemble en fait. Développer le transport en commun va favoriser l'installation des entreprises qui vont se dire que leurs travailleurs pourront se déplacer sans pour autant polluer davantage pour venir travailler, ce qui va favoriser le développement de la ville par la suite et qui va permettre aussi d'embaucher des jeunes de Corbeil-Essonne. Déjà, ça va créer de l'attractivité parce que ça sera des jeunes qui vont venir s'installer, qui seront peut-être des cadres de demain. Par rapport à Évry ou toutes ces villes-là qui, moi, je trouve qu'ils sont trop bétonnées. Celle-ci, elle a une histoire. La francilienne, l'autoroute, on a tout à côté. Des gares, on a 30 minutes de Paris, on a des sports. En fait, pour moi, il y a tout.